Kate Middleton a subi une opération abdominale, annonce le palais de Kensington le 17 janvier 2024. Une cousine du prince William pourrait jouer un rôle plus important. En bref, Kate Middleton, la princesse de Galles, a été hospitalisée pour une opération de l'abdomen le 17 janvier 2024, tandis que le roi Charles III doit subir une opération de la prostate la semaine suivante. En raison de ces circonstances, la princesse de Galles ne reprendra pas ses fonctions royales avant Pâques, et le prince William a également dû reporter ses engagements pour rester à ses côtés. Face à ses absences, la princesse Béatrice pourrait jouer un rôle plus important, étant l'une des conseillères d'État les plus probables selon une source de l'Express. Kate Middleton hospitalisée et le roi Charles III devant être opéré dans quelques jours, Buckingham Palace doit se réorganiser. On a récemment appris que la princesse de Galles, 42 ans, a dû subir une opération de l'abdomen. Le palais de Kensington a annoncé le 17 janvier 2024 que l'opération planifiée de la duchesse de Cambridge s'est parfaitement déroulée. Toutefois, la princesse de Galles devra rester à l'hôpital pendant 10 à 14 jours avant de pouvoir rentrer chez elle. Pour ce qui est de ses engagements, l'épouse du prince William ne reprendra pas le travail avant Pâques. Par ailleurs, le prince William, pour rester aux côtés de son épouse et la mère de ses enfants, a aussi dû reporter ses engagements. Le roi Charles III, comme l'indique le Média Express, le 18 janvier 2024, a dû se retirer de ses fonctions pour subir une opération de la prostate. Le monarque devra être opéré d'une hypertrophie de la prostate la semaine prochaine. Si le roi est censé pouvoir travailler depuis l'hôpital, la princesse de Galles ne devrait pas reprendre ses fonctions royales avant Pâques, précise le média britannique. À la suite de ces annonces, le Buckingham Palace a organisé des réunions d'urgence. La princesse Béatrice aurait été invitée à se tenir prête, car elle pourrait jouer un rôle plus important. Kate Middleton hospitalisée, la princesse Béatrice jouera un rôle plus important. La princesse Béatrice, avec la reine Camilla, le prince William, le prince Harry et le prince Andrew, est l'un des conseillers d'État auxquels le monarque peut faire appel en cas de maladie ou d'absence à l'étranger. Étant donné que le prince Harry et le prince Andrew ne sont plus des membres actifs du cabinet, ils sont exclus. Ce qui fait que la princesse Béatrice d'York, 35 ans, est la candidate la plus probable. Selon une source de l'Express, Béatrice a été invitée à se tenir à disposition au cours des prochains mois, au cas où elle devrait assister à des engagements. Et la source a également précisé, il s'agit d'un rôle qu'elle assume à titre officiel, et non d'un rôle qui a été imaginé à la dernière minute pour combler un vide. Just need